Bonjour! Aujourd'hui, les décès surprises. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Il existe un prix depuis 1993 appelé le Darwin Awards. On dirait presque du Jean-Claude Van Damme dans le texte, hein. Ce prix est destiné aux personnes qui se sont tuées de façon stupide. Pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant, Joseph Pinucci. Bonjour Joseph, où êtes-vous ? Bonjour Pierre-Yves. Ben là, je suis à la sieste prescrite par mon médecin City. Vous avez raison de me déranger pendant mon travail, parce que l'info est juste. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Jean-Patrick Casanova de Corte, on a retrouvé dans le port avec des chaussures en béton, n'a pas été récompensé par le jury. Je ne sais pas ce qu'il faut pour décrocher la statuette. Même les lacets étaient en fer forgé. C'est comme Luigi Peroni d'Ajaccio qui s'est arraché les quatre membres en tombant d'une falaise suite à un burn-out. Lui non plus, pas un geste pour son courage. J'ai l'impression qu'il y a de l'ostracisme envers les Corses. Eh bien merci, Joseph Pinucci, pour la validation de cette info. Il n'y a pas de mal. Vous connaissez la Corse, Pierre-Yves? Oui, bien sûr, comme tout le monde, Joseph. Eh non, pas comme tout le monde. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient connaître la Corse et qui n'ont jamais pu traverser la Méditerranée. Et... le mal de mer, sans doute. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.